Où suis-je? Tiens, mon nom est déjà inscrit. Bien. Bon, je vais aller me reposer, moi. Je vous dis qu'il y a un nouveau. Mais non, je n'ai rien entendu. Évidemment, vous êtes aussi sûr qu'une batterie de cuisine. Pardon? Avez-vous été reçu par le docteur S aujourd'hui? Moi, toujours pas. C'est totalement inadmissible. Le docteur S devrait savoir à qui il a affaire. Croyez-vous que ce docteur soit compétent? J'ai bordé 4 fois mon lit, astiqué 5 fois le lavabo, défroissé les rideaux, je sais vraiment plus quoi faire de moi. Je sais pas, vous auriez pas des petits travaux, un bouton à recoudre? Il serait pas défait, votre ourlet? Madame, avez-vous été reçue par le docteur S? Non, mais j'avais demandé pourtant. C'est inadmissible. On nous traite comme des femmes de ménage. Présidente. Mais elle a raison, la dame, hein. Je suis bien femme de ménage. Ah! Madame la Présidente, personne n'a de recommandation ici. L'égalitarisme, je suppose. La lèpre républicaine s'est infiltrée partout. La valeur d'un homme n'a plus d'importance. Elle a raison, la dame. On peut tout de même pas comparer une présidente avec une femme de ménage. Ah, vous voyez, même elle, elle le reconnaît. Et, chère madame, quelle est la différence entre une présidente et une femme de ménage? De mon point de vue, bah déjà c'est une question de bureau. Hein. Oui. Une présidente, ça salit le bureau, alors qu'une femme de ménage, ça le nettoie. Continuez. Puis c'est une façon de parler aussi. Une présidente, ça parle à tout le monde comme si c'était de la merde. Alors qu'une femme de ménage, comme si c'était elle la merde. Et puis? Et puis, ça a tout un attelage de titres qui ronflent, devant et derrière son nom. Madame la Présidente Truc, directrice de l'Association immobilière des actions bidules, membre du conseil d'administration de choses, officier de la Légion d'honneur. Alors que, une femme de ménage, ça n'a que son nom. Et encore, ça le perd très vite pour devenir qu'un prénom. Puis déjà, ça a intérêt à s'appeler Marie. Hein. Sinon, ça le deviendra très vite, vu que les patrons n'ont pas de mémoire. Madame la Présidente, il est étonnant, malgré ces essentielles différences, que le docteur S ne vous ait pas reçu. Bonjour. Je suis Julien Portal. Bonjour. Laissez-moi vous présenter Madame la Présidente Delbecq. Madame Martin. Marie Martin, comme par un fait exprès. Et moi-même, Madame Rajapour, voyante. Excusez-moi, je vais vous paraître stupide, mais... je ne sais pas très bien ce que je fais ici. Lorsque je suis arrivé, mon nom était inscrit sur le registre. Et pourtant, je ne me souviens pas d'avoir réservé de chambre dans cet hôtel. Où est le responsable? Où sommes-nous exactement? Qu'entendez-vous par exactement? Bah, quelle route? Quelle ville? J'en sais rien. Pardonnez-moi, j'ai l'esprit très confus ce matin. J'arrive pas à me faire comprendre. Comment s'appelle cet hôtel? Vous avez eu un accident de voiture? Oui. Non! Je ne sais pas. Je roulais sur l'autoroute, oui. Il faisait nuit. Même si j'avais bien arrosé mon repas, je contrôlais ma voiture, une parodéo. Vous connaissez?
Je ne connais que deux sortes de voitures, celles qui ont une pancarte taxi sur le toit et celles qui n'en ont pas. Je roulais vite, mais j'étais maître de mon véhicule. Je rentrais chez moi. Quelqu'un vous attendait ? Non. Ah, faut toujours avoir quelqu'un qui vous attend, hein. Seul moyen d'éviter les accidents. Mais je n'ai pas eu d'accident. Je n'ai pas eu d'accident. Mais je n'ai pas eu d'accident. J'ai dû me rendre compte que je somnolais lorsque je suis entré pour me reposer dans ce motel. Un motel ? Qu'il est drôle, un motel ! Vous pouvez m'aider ? En vérité, croyez-en mon expérience. Il n'y a qu'un seul moyen pour vous de comprendre où vous êtes, c'est de demander à chacune d'entre nous ce qu'elle faisait juste avant d'entrer ici. Si ça peut vous aider. C'est absurde. Il n'y a pas d'autre moyen. Elle a raison. Demandez-moi. Mais demandez-moi, nom de Dieu! Il m'a demandé. Marie. Mes parents, ils m'ont appelée Marie. Je suis bonne idée, ça, hein. J'ai torché et torchonné toute ma vie. Et ils m'ont collé le prénom de Marie sur le front, parce qu'ils savaient que le torchon et la Saint-Pierre, ça allait être mon rayon. Maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur tous les printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors, elle était toujours un peu fatiguée, il fallait que je l'aide beaucoup. Raccourcissez, enfin, raccourcissez. Mais je sais pas, je vous dis. Vu qu'on ne me l'a jamais parlé, quand par hasard j'ai la parole, bah, je peux plus m'arrêter. Enfin, bref. Je torchonnais du chant du coq jusqu'au petit rôle du petit dernier que j'avais pu une seconde pour moi pour rêver. Ce qui fait que le premier gars qui m'a un peu touché la culotte au bal, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille caisse pour emménager avec lui et ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait à papa. Mais papa, il travaillait, lui. Il pouvait nourrir tous ses gosses. Alors que le mien, il était bon à rien. Fainéant comme ça, normalement, c'est qu'on est mort. Et voilà, on s'est reparti. Il a fallu que je fasse le ménage pour le nourrir lui et qu'il ait deux autres derrière. Et en échange, rien. Même pas un câlin, ni un saute-moi dessus. Même ça, il n'avait pas le courage. Mais après, je dis pas, je vous dis. Mais on vous demande la fin, pas le début. Mais il n'y a rien à raconter dans ma vie. Donc quand je raconte tout, fallait pas me demander. Bref. Un jour, il est parti chercher du tabac, et il n'est jamais revenu. Mes filles ont grandi, elles avaient le feu au cul que c'était pas imaginable. J'ai eu toutes les misères du monde à les faire arrêter de courir saucisson. Elles avaient le feu au cul. toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais merde. Au lieu de ça, tout d'un coup, comme ça, dans un salon qui était même pas chez moi, ben j'ai valdingué les quatre fers en l'air sur le tapis. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je trouvais que les gens étaient souriants, les repas préparés. J'en revenais pas que ce soit si bien que ça à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé. Ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis arrivée là avec tout le monde qui me servait du « Madame en veux-tu, Madame en voilà », j'ai vraiment eu l'impression d'être une princesse. Hier, je suis descendue dans le grand escalier, en me tenant bien à la rampe. Et je me suis dit, enfin je vais être heureuse, je vais enfin pouvoir prendre le temps de penser à tout ce que j'avais pas eu le temps de penser. La vie, la mort, tout ça. Et Vlan, j'ai refait une attaque. Et depuis ? Bah je suis là. Mais c'est une clinique ici, ce n'est pas un hôtel ? Attendez, à vous, chère présidente. Ah, moi, je serai brève. Mon dernier souvenir avant de me retrouver ici remonte à avant-hier. Je sortais de chez moi, comme chaque matin, à 8h pétante. J'ai poussé la grille et j'ai aperçu un cycliste qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il a agité le grelot ridicule de son vélo. J'ai pensé, ce petit crétin va s'arrêter, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. J'ai fait deux pas. J'ai été subitement soulevée, projetée contre un banc. J'ai senti que mon crâne heurtait l'angle de pierre. Et puis voilà. Il venait de la gauche. Mais évidemment, j'ai toujours respecté toutes les lois. C'est ce décérébré sur pédale qui ne les a pas respectées. Et vous ?
coma diabétique. Mais où sont les médecins, les infirmiers? Pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées de matériel pour les soins? Nous ne nous trouvons pas dans un hôpital. Mais enfin, nous sommes pas aux urgences. Non, réfléchissez. Vous allez sans doute rencontrer le docteur S. Mais vous me dites que nous ne sommes pas dans un hôpital, et cependant il y a un docteur. Le docteur S. Eh ben je vais le voir immédiatement. Ah, mon cher, on ne rencontre pas le docteur S. Comme ça. Il suffit même de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Vous ne comprenez pas? Coma, crise cardiaque, accident de la route. Vous ne faites pas le rapport entre nos derniers souvenirs? Vous voulez dire que... nos derniers souvenirs sont tous malheureusement des derniers souvenirs. C'est ici? Je suis mort? Nous sommes morts? Mais répondez, nom de Dieu! Je suis mort et ça vous fait rigoler? Remarquez que si vous l'êtes, nous le sommes aussi! Ah ouais, je suis tombé chez les fous, je reste pas une seconde de plus ici, moi! Oui, on va encore avoir de la casse, hein! Mais je veux sortir! On ne peut pas appeler cet ascenseur! Eh ben très bien, je pense qu'on va l'escalier de service! Il n'y en a pas! Vous êtes folle, enfermée, vous! C'est fait! C'est toujours aux enterrements que je pique des fous rires! Mais je le trouverai, hein! Trouverai! Il doit essayer! C'est normal qu'il n'y croit pas, il s'est pas vu partir! Moi, la première nuit ici, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre! Oh, mais c'est scandaleux, hein! Pas d'issue, des fenêtres opaques qui ne s'ouvrent pas! Si vous m'indiquez pas immédiatement la sortie, je vous préviens, je brise des vitres et je me jette de l'étage! Oh, mais je suis en prison ou quoi? Cet endroit n'est pas réel! Vous n'y êtes pas entré de votre plein gré, vous n'en sortirez pas de votre plein gré! Mais c'est pas vrai! Allons! Mais je suis pas mort! Je suis pas mort! Il commence à réaliser. Mais pourtant, je suis vivant là! Bien vivant! Pour vous prouver que vous vivez, il faudrait vous tuer! Oui! Si vous réussissez, cela voudra dire que vous étiez bien vivant avant. Par contre, si vous échouez, cela pourra encore signifier deux choses. Soit que vous êtes déjà mort, soit que vous êtes immortel. Je deviens fou, là. C'est aussi une solution. C'est une solution. Julien Portel? Oui. Bonjour, je suis le docteur S. Avez-vous peur? Un peu. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Mais, dites-moi que c'est pas vrai. À 200, alors vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir. Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre? J'ai fini écrasé contre un arbre. Heureusement que j'étais seul. Un bon point pour vous. Je ne vous imaginais pas comme ça. C'est-à-dire? Belle? 40 ans. Née dans une famille aisée. Bonnes études. Pas d'opération chirurgicale. Aucune maladie grave. Je suis un mort en bonne santé. Diverses tentatives professionnelles. Une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié. Vous m'acceptez quand même. Je ne vous juge pas, je fais votre bilan. Si j'avais pu imaginer que ma mort aurait de belles jambes... Vous essayez de me séduire? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous courez frénétiquement les femmes. Je ne suis jamais tombé sur la femme qui m'aurait rendu fidèle. Comme si cela dépendait d'elle. La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne voulaient pas l'amour, mais des histoires d'amour. Puis vous n'allez pas me noter. Vous allez pas me faire croire que ça existe, là, cette vieille légende de paradis, l'enfer, les âmes qu'on pèse, le jugement dernier.
Je refuse que vous me condamniez. Je suis mort, est-ce que c'est pas suffisant? Vous vous trompez complètement. D'abord, je suis la doctoresse. Ensuite, vous n'êtes pas mort. Quoi? Mais naturellement. Nom de Dieu! Je le savais! Je suis vivant! Bien vivant! Je n'ai pas dit cela non plus. Quoi? Et que vous êtes vivant. Écoutez, je tiens debout là, je peux m'en aller! Cela ne dépend pas de vous. Vous comptez m'en empêcher? Ni de moi. Écoutez, docteur machin chose, je ne sais pas très bien quand je suis arrivé dans votre clinique. Sans doute ai-je dû m'endormir au volant, m'écraser contre un arbre, perdre connaissance le temps qu'on transporte jusqu'ici, mais maintenant je me sens très bien, j'ai aucun besoin de vous, je vous tiens vers la révérence, salut! Et dites à cet ascenseur de venir! Vous êtes en danger, Julien, grave danger, nous devons parler, vous allez comprendre! Il y a moins d'une heure, votre voiture, lancée à plus de 200 à l'heure, est sortie de la route pour percuter un arbre. Je préfère ne pas vous décrire l'état de la carrosserie dont vous étiez si fier. Je préfère ne pas non plus vous décrire votre état. Mais qu'est-ce que je fais là? L'ambulance vient de vous amener, inconscient, tuméfié, les genoux cassés, les jambes enfoncées, au service des urgences de l'hôpital de Perthes. Une équipe hautement qualifiée s'active autour de vous pour tenter de vous réanimer. Ils ne sont pas très optimistes. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train de vivre sur Terre des heures cruciales. Ils sont dans ce que là-bas vous appelez le coma, c'est-à-dire ici, entre la vie et la mort. C'est ici que vous devrez attendre, à l'hôtel des deux mondes. Ici, vous êtes délivré des douleurs que votre corps endure là-bas. Mais je vous crois pas. Vous nous faire gober que mon corps est ailleurs? Votre corps de chair et de nerfs est en salle de réanimation. Vous êtes ici pour attendre. Mais attendre quoi? Que votre sort se règle. Soit on vous sauve et l'ascenseur vous descendra sur Terre, soit on échouera et vous réanimer et l'ascenseur vous mènera vers le haut. Mais qu'est-ce que je fais là? Vous n'avez pas compris? C'est à cause de votre suicide. Mais vous vous êtes trompé! J'ai eu un accident! Pas jeté volontairement contre cet arbre. Ah oui. Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure vous aviez de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Vous avez essayé d'autres drogues. Vos affaires étaient en train de s'effondrer. Alors comprenez bien que le matin où l'on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, on en conclut que c'est un suicide programmé depuis longtemps. Un long suicide? Moi? Mais oui, l'alcool. Le suicide des lâches. Maintenant, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas que vous comme patient. Madame Rajapour, voyance en tout genre, astrologie, consultation des ancêtres, des entrailles de poulet, Madame Rajapour, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Évidemment, mon premier nom était Marcel. Marcel Peluchat. Né rue des Filles du Calvaire, République, Paris. Voulez-vous que je vous les amie? Non, mais vous vous foutez de moi. Un peu. Il y a des gens qui ne demandent que ça. Hein. C'est révoltant. 6 mois de coma, tout de même, ça me donne des excuses. Mais non, je parlais de cet endroit-là, de cette attente. En bas, on savait qu'on mourrait. Ici, l'horaire se précise. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable. D'abord, on rencontre des tas de gens. Nous papotons, ça veut dire que j'existe, que vous aussi, et que se tissent entre nous des rapports humains. C'est charmant, non? Mais à quoi bon? Nous reverrons sans doute jamais. Si vous n'aimez fréquenter que ce qui dure, allez parler aux pierres, aux roches, aux montagnes. Je suis déprimé, oui. J'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté, peut-être. Ça ne rend pas très combatif. Nous, les malpartis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il est plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens.
Quoi? Parce qu'elle ne nous appartient pas. J'ai vraiment un grelot à la place du cerveau. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps que je pense à des choses sérieuses, profondes. Au lieu de ça, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que j'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde est aussi comme que moi? Ça se discute. Je sais bien que j'ai le cerveau trop étroit pour y laisser rentrer des grandes idées, mais quand même, j'aurais préféré l'avoir carrément plus obtus. Voyez, assez stupide pour pas m'en rendre compte. J'ai une sœur comme ça. Bête comme ça, normalement, ça ne parle même pas, ça bouffe du foin. Mais elle cause. Rien ne la retient, rien ne la surprend. Et c'est comme ça qu'il faudrait être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. Mais nous sommes tous comme ça. Non. Pas ceux qui ont fait des études, ceux qui réussissent. Qu'est-ce qu'ils savent de plus? Je sais pas, mais quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils patouchent pas comme moi. Si j'avais le droit à un deuxième tour, c'est ça que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe, première classe. Et être philosophe, ça empêche de mourir? Non, mais ça doit aider à vivre. Vous qui faisiez des tables tournantes, ils vous disaient bien les choses, les morts. Bien sûr. Et quoi, par exemple? Que... ils détestaient leur belle-mère. Qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire. Ils avaient raté leur vie. Des idioties. Rien d'autre? Être mort ne vous rend pas plus sage. Tout de même, j'aurais cru. Mais ils vous parlaient pas de la manière dont ça se passe, là-haut? Non. Enfin, ils vous parlaient, ça veut dire qu'ils existaient. Mais ce n'était que son imagination. Bien sûr, c'est avec ça que parlent les morts. C'est vrai que j'entendais des voix, des mots au fond de ma tête. Mais ça m'arrive ainsi la nuit, au cours de mes rêves, comme tout le monde. Ça prouve rien. Oui, ça prouve surtout que vous n'étiez pas une vraie voyante. Qui sait? Mais arrêtez de plaisanter. Vous savez tous très bien comment ça se passera. Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Non. Après votre mort, ce sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien, absolument rien, le néant. Mon pauvre monsieur, vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Dans votre genre, vous êtes aussi comme que moi. Hein. Moi, j'espère qu'il y a un jardin là-haut, hein, comme on vous disait quand on était petit. Avec des arbres, des fleurs. Et puis au moins, je serai sûre qu'on ne me demandera pas de faire le ménage. Hein. M'arrêter. Il n'y a rien, rien. Nous savons tous très bien que la mort est une fin. Ah oui. Eh ben dis donc, en tout cas, vous avez eu du mal à le réaliser tout à l'heure, hein, monsieur Je sais tout. Soit c'était bien imité, ou soit vous l'aviez oublié. J'imagine que tout le monde a été reçu par le docteur S. À part moi. Personne ne lui a parlé, madame la présidente, si ce n'est le nouveau venu, comme ce fut notre cas à tous. Égalité, chère présidente, égalité. Ça veut dire que tout le monde est traité de la même façon, non pas qu'il y ait un complot tramé contre vous. J'ai dû quitter ma chambre. Je ne supporte plus leur conversation. À qui? Ben, monsieur le président et mes fils. Comment ils sont ici, avec vous? Lorsque les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas, à l'hôpital, autour de leur lit. Il suffit de se mettre la main sur les oreilles pour écouter. Vous avez de la chance d'avoir votre famille autour de vous. Bah, pour entendre ce que j'entends. De quoi parle-t-il? Ben, d'argent, de quoi d'autre? Ils veulent tout vendre. Vous leur laissez du bien? Ben, évidemment. Mais pour qui le prenez-vous? Ben, moi, je serai pas la plus riche du cimetière. Hein. Moi non plus. J'ai tout bouffé, tout bu. J'ai jamais pu supporter la vision d'un portefeuille plein. Je dépensais. Pourtant, vous êtes malhonnête. Et généralement, on s'enrichit lorsque l'on est malhonnête. Ça, vous le savez mieux que moi, madame la présidente. Pardon? Je lis la presse. Je n'ai pas oublié le fameux scandale des fausses factures d'Elbeck. Pure calomnie. Ni l'étrange attribution des marchés d'Elbeck. Ragot politique. Et je n'accepte pas d'être tensée par une voyante de fête foraine. Chez moi, la malhonnêteté est gravée sur la plaque. Imaginez que tout à coup, je me mette à dire la vérité.
Non, madame, je ne vois pas votre avenir dans les cartes, mais vu la figure que vous vous trimballez, je suis à peu près certaine que vous ne rencontrerez plus jamais l'amour. Mes clients me paient, mais ils me paient pourquoi ? Pour que je leur fasse plaisir. Je suis intègre, moi, madame. Tandis que vous, madame la présidente, vous prenez les allures de la respectabilité pour mener à bien vos magouilles et vous enrichir aux dépens des autres. Je retourne dans ma chambre. Je préfère encore entendre comment mes lavettes de fils veulent dépenser mon argent. De quoi est-elle présidente ? Elle est née, présidente. Déjà à la crèche, elle avait un tailleur, des lunettes, une raie bien nette dans ses cheveux de nourrisson, et elle criait entre deux biberons « Je suis présidente !» Et ça a marché. Doctoresse, donnez-moi de mes nouvelles. Je vous en donnerai lorsque j'en aurai, madame Martin. Pour l'instant, votre état reste stationnaire. Excusez-moi. Allons, du courage. Regardez-moi, ça fait 6 mois. 6 mois comme ça, je tiendrai pas, hein. Faudra me débrancher. Faut que je sois occupée, y'a que ça qui me remplit le cerveau. Est-ce que j'ai le droit de rien foutre comme ça, je me dis ? Non, non, non ! Il faut absolument que j'arrête ça ! Ils veulent tout vendre ! Et alors ? C'est absolument pas le moment de vendre ! Le marché est au plus bas, la bourse déprime. Ils vont me faire perdre de l'argent. Il faut que je passe un coup de téléphone à la banque. J'exige de parler au docteur S. Vous entendez ? Je l'exige. Hey, ce sont des pensées sublimes comme ça que vous aimeriez avoir. Et ce n'est pas parce que mon sang coule dans les veines de ces petits crétins snobs et prétentieux que je vais les laisser dilapider mon capital. D'ailleurs, c'est à se demander si ce sont bien mes fils. Ils sont cons, très cons. Oh oui. Eh bien, ils sont de vous. Pardon. Ah, doctoresse. Doctoresse, je viens de vous sonner. On ne me sonne pas, madame. Mais j'exige. Vous n'avez rien à exiger. Je vous parlerai lorsque votre tour sera venu. Vous devriez interroger la présidente. La présidente est quelqu'un qui peut tout vous expliquer avec des arguments irréfutables. Autrement dit, une crétine exhaustive. Madame la présidente, venez parmi nous. Peut-être allez-vous pouvoir nous aider. Nous nous demandions ce qui se passerait après la mort. Bien quoi ? Mais vous n'avez pas reçu d'éducation religieuse ? Vous n'avez donc rien appris ? Rien ? Vous monterez au ciel, et là vous serez jugé selon vos mérites respectifs. Un enfant vous dirait ça, mes petits-fils en tout cas. Et vous ne craignez pas ce moment-là ? Et je m'y suis préparée. Mais vos magouilles d'argent, madame la présidente, vous ne craignez pas que le jour du jugement... Mais il faudrait les prouver, madame. Écoutez, le secret bancaire suisse ou luxembourgeois, je ne crois pas que là-haut, cela soit respecté. 40 ans de trafic, de fausses factures, Pécadille. Mais vous vous pardonnez ? Elle se pardonne. Il me pardonnera. Que se passe-t-il ? L'un de nous va partir. Et dans quel sens ? En haut ou en bas ? On ne le sait qu'au dernier moment, dans l'ascenseur. Pouvez-vous me laisser seule ? Madame Martin, voulez-vous bien rester avec moi ? C'est mon tour ? Oui. J'espère que c'est une bonne nouvelle ? Je ne peux pas vous le dire. Pas de nouvelle ? Bonne nouvelle ! Je vous conduirai à l'ascenseur. Oui, il faut m'accompagner, hein, parce que j'ai le cœur fragile, hein. C'est fou d'avoir le cœur si fatigué. C'est la seule chose dont je me sois jamais servie. Allons, ne craignez rien. Adieu, madame Martin. Adieu, docteur. Et bonne continuation.